J'ai beaucoup de plaisir de vous présenter pour notre premier orateur, mon ami Bertrand Schnerb, qui est bien connu à tout le monde pour ses travaux sur les affaires militaires des ducs de Bourgogne au 14e, 15e siècle, mais a aussi écrit des choses très intéressantes sur les ducs. J'ai des souvenirs de votre biographie de Jean Sempère qui est très utile. Et je vous donne la parole pour votre communication compagnon aventureux et mercenaire dans les armées des ducs de Bourgogne. Bertrand, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami, monsieur le président. Mesdames et messieurs, chers collègues, s'interroger sur la présence de mercenaires dans les armées des ducs de Bourgogne n'est pas une démarche nouvelle, et l'on ne m'en voudra pas, je l'espère, si dans le cours de mon exposé historiographique, je suis amené à citer mes propres travaux. En effet, il m'a été donné de publier un certain nombre d'articles sur la participation aux entreprises militaires des ducs de Bourgogne de combattants recrutés en dehors des principautés ducales. Un phénomène particulièrement important entre les années 1380 et 1420, moins sensible après, en attendant le principat de Charles le Téméraire. Je rappellerai ici que j'ai mis en lumière de cette façon la carrière et l'action d'hommes de guerre italiens, savoisiens, écossais, bretons, tchèques, qui à un moment donné de leur vie aventureuse ont servi ces princes. Des personnages comme Bertrand Gasque d'Alexandrie, Castelin Vasque, Amé de Viry, Guigues de Salnove, Jean et Clavin du Clos ou du Clou, Jean de Gingin, Charles l'Abbé, Guillaume Ferbourg, Simon Ostlinger m'ont fourni de beaux exemples pour nourrir des études spécifiques sur tel ou tel groupe de combattants servant non pas en vertu de liens familiaux, d'une obligation féodale ou d'une fidélité jurée, mais de leur pure volonté et sans nul doute aussi d'un contrat, formel ou non, les liant au duc de Bourgogne. Ici se pose du reste la question de savoir si ces hommes étaient ou n'étaient pas des capitaines mercenaires au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes de guerre louant leurs services et ceux de leurs compagnons à un prince employeur auquel ne les liait qu'un contrat d'engagement. Si, pour certains d'entre eux, pensons aux deux capitaines milanais que je viens de mentionner, Bertrand Gasque et Castelin Vasque, ou au capitaine breton Charles l'Abbé, qui changea même d'employeur au gré des circonstances, la réponse paraît affirmative. Pour d'autres, comme les capitaines de Savoie ou de Bohême, la réponse doit être plus nuancée, car dans leur cas, la limite est bien mince entre nobles volontaires poussés par le goût de l'aventure, jeunes compagnons aventureux cherchant fortune dans l'activité militaire et entrepreneurs de guerre proposant ses services à un prince puissant et payant bien. Il est vrai toutefois que, comme je crois l'avoir montré ailleurs, l'expression « capitaine de gendarmes » qui désigne dans les sources administratives et comptables de l'État bourguignon certains de ces personnages à partir de 1412, on ne le trouve pas avant, nous fournit un élément de réponse à cette question. Capitaine de gendarmes, il est clair en effet, lorsqu'on examine l'identité des personnages qui sont ainsi désignés, que les capitaines de gendarmes étaient des capitaines étrangers aux principautés bourguignonnes, engagés par contrat tacite ou formel, et qui se chargeaient du recrutement de leurs propres troupes. Un bon exemple est fourni par un nommé Jean Fredel, dit Jean de Saint-Dié, désigné comme écuyer du pays de Lorraine et capitaine de gendarmes. Il vient en Bourgogne proposer ses services à Marguerite de Bavière en septembre 1417, avec 6 écuyers et 2 arbalétriers en sa compagnie, et reçoit mission de la duchesse Marguerite d'aller, je cite, « quérir en Allemagne pour les amener au pays de Bourgogne, 100 hommes d'armes et 100 hommes de trait ». Le profil de cet écuyer est exemplaire. Il vient, en tant que pur volontaire, d'une contrée étrangère, en l'occurrence de Lorraine, dont le prince, le duc Charles II, entretient des relations cordiales avec le duc de Bourgogne. On retrouve les mêmes caractères, en fait, chez les capitaines
originaire de Savoie. C'est exactement le même profil. Mais il est à la fois chef de compagnie, il arrive avec sa propre compagnie, même si elle est petite, et agent recruteur, chargé d'aller, en fonction de ses compétences linguistiques, de ses accointances politiques et sociales, quérir des gens de guerre en pays étranger. Et là, on trouve les mêmes caractéristiques chez l'Italien Castelin Vasque, que j'ai spécifiquement étudié. Chez les capitaines de gendarmes qui servent le duc de Bourgogne au début du XVe siècle, on peut observer d'autres points communs et d'autres spécificités. On remarque en particulier que ces personnages, même s'ils s'intègrent aux structures de la cour de Bourgogne, notamment à l'hôtel, reçoivent des pensions, voire reçoivent des fiefs, ne sont pas des déracinés et restent liés à leur pays d'origine. Tous y retournent après un temps de service plus ou moins long auprès du duc de Bourgogne. Lorsque l'on peut reconstituer la biographie de l'un ou l'autre d'entre eux, on constate qu'après leur passage dans les armées bourguignonnes, ils ont fait carrière au service de leur prince naturel. Le service volontaire ou mercenaire en Bourgogne n'a été qu'une étape dans leur itinéraire professionnel et social. C'est le cas, par exemple, du savoisien Jean de Gingin, seigneur de Divonne, qui servit Jean sans peur et Philippe le Bon entre 1410 et 1420, avant de figurer parmi les conseillers du duc de Savoie Amédée VIII à partir de 1421 et jusqu'au-delà des années 1430. Il est clair que le service d'armes en Bourgogne pouvait conférer un certain prestige et aussi des profits non négligeables. Castelin Vasque, venu en France dans le sillage du maréchal Boucicaut en 1411, entré au service de Jean sans peur comme simple homme d'armes lombard en 1412, fut armé chevalier en 1415 et retenu comme conseiller et chambellan du duc. Il rentra en Italie dans les années 1420-1422 et tout indique qu'alors il avait fait d'importants gains de guerre, d'importants profits. Quant aux savoisiens Clavin et Jean du Clos, les protocoles des notaires dijonnais les montrent investissant des sommes non négligeables dans des affaires commerciales dans la capitale du duché de Bourgogne. Eux aussi rentrèrent dans leur pays d'origine au début des années 1420. On peut considérer que si l'Italien offre un bon exemple de condottiere, prêt à s'expatrier pour trouver des conditions d'activité favorables avant de retourner en Lombardie avec plus de moyens, plus de prestige et plus d'expérience, les capitaines savoisiens, pour leur part, apparaissent comme des compagnons aventureux, cherchant fortune à l'étranger, avant de réintégrer les cadres politiques et sociaux de leur principauté d'origine. Ceci étant posé, et sans plus m'attarder sur les capitaines, aujourd'hui je vais un peu m'intéresser à la piétaille, hein, parce que sinon on va dire que je suis trop attiré par l'aristocratie. Hein. Je voudrais donc plutôt m'intéresser à leurs troupes. Hein. En étudiant d'abord, grâce à des sources particulièrement bien conservées, le service de compagnies mercenaires, notamment de compagnies d'hommes de trait, et en abordant ensuite la question du service individuel et celle connexe des aires géographiques de recrutement. Le recrutement de compagnies d'arbalétriers en pays étranger est une pratique récurrente des princes de la maison de Bourgogne, ils ne sont pas les seuls, à partir des guerres de Flandre des années 1380-1385. Durant cette période, le duc Philippe le Hardi prit à son service plusieurs compagnies d'arbalétriers à cheval, dont les capitaines, bien que leurs noms aient été francisés dans nos sources, les sources bourguignonnes francisent à tour de bras les noms étrangers, semblent bien avoir été surtout originaires d'Italie et de la péninsule ibérique. Ainsi, en 1382, juste avant la bataille de Rosbeck, le duc Philippe a engagé pour le servir Antoine Comte, à la tête d'une compagnie de 60 arbalétriers à cheval, Louis Doré, à la tête de 53 arbalétriers à cheval, Thérègne Riquier, avec 36 arbalétriers armés, Nicolas Bérard, avec 30 arbalétriers. On n'est évidemment pas étonné d'apprendre, grâce à des sources complémentaires, que certains de ces capitaines sont des Génois. C'est le cas d'Antoine Comte, qui est désigné explicitement comme écuyer arbalétrier, c'est assez intéressant, du pays de Gênes. C'est le cas aussi de Jean Portefin, sans doute Jean de Portofino, apparu en 1384, désigné dans les documents comptables comme écuyer du pays de Gênes et capitaine de 46 arbalétriers à cheval. Plus tard, en 1401, on trouve un autre capitaine génois, Paulin Spinard, au service de Philippe le Hardi à Paris. Rappelons que l'une des premières missions de recrutement confiée par Jean sans peur au capitaine italien Castelin Vasque en avril 1414
consistait à aller recruter des arbalétriers outre-Mont, dans le duché de Milan et à Gênes. Il s'acquitta de sa mission, réapparut en Bourgogne à la fin du mois de juin, il n'avait pas lambiné, avec une compagnie de 106 arbalétriers à pied. Des compagnies d'arbalétriers sont également recrutées dans la péninsule ibérique, et par exemple en 1405, Jean sans peur a pris à son service un personnage nommé Rodrigo de Malingue, excusez la francisation, Rodrigo de Malingue, désigné comme arbalétrier à cheval, qui sert le duc de Bourgogne à Paris avec une compagnie comptant 15 arbalétriers à cheval et 22 arbalétriers à pied, tous espagnols, c'est-à-dire vraisemblablement recrutés en Castille. Il convient de noter que les conditions de service de ces arbalétriers espagnols étaient très avantageuses, puisque les gages de Rodrigo et de ses compagnons, conformément à un mandement particulier du duc de Bourgogne, devaient être de 12 francs par mois pour un arbalétrier à cheval et de 10 francs par mois pour un arbalétrier à pied. Le tarif ordinaire pour un arbalétrier à cheval dans les armées du duc de Bourgogne, c'était alors 6 francs 15 sous. C'est-à-dire qu'un arbalétrier à pied espagnol percevait des gages supérieurs à ceux d'un arbalétrier à cheval de l'armée du duc de Bourgogne. Il n'est pas sans intérêt de souligner que l'étude de la composition des compagnies d'arbalétriers rendue possible grâce au rôle des montres d'armes conservées permet de mettre en lumière un recrutement qui, comme celui des capitaines, concerne l'Italie, la péninsule ibérique et éventuellement d'autres régions de l'espace méditerranéen, j'allais dire moins attendues. C'est ainsi que si l'on étudie les rôles des montres de certaines compagnies d'arbalétriers génois, on constate que le recrutement n'est pas exclusivement italien. En 1401, par exemple, la compagnie du capitaine Paulin Spinard compte dans ses rangs des combattants dont l'anthroponymie indique un recrutement diversifié. Alors, j'aime bien les noms comme Benoît Ferrande, là je ne peux pas savoir d'où il vient, mais enfin bon, on a quelques doutes, Rogue de Lisbonne, Robin de Savonne, là il n'y a pas de problème, et Georges de Rhodes. Donc voilà, quelque chose d'intéressant aussi. On peut mener une étude du même genre pour la compagnie d'arbalétriers recrutée en Italie par Castelin Vasque en 1414, à partir du rôle d'une montre d'armes passée à Marsanais près de Dijon le 17 juillet 1414. Sur les 106 arbalétriers qui composaient cette compagnie, 46 portaient des noms indiquant clairement une origine géographique. Sur ce total de 46, 18 combattants étaient originaires de Gênes et de sa région. 9 étaient désignés comme génois ou de Gênes, 8 étaient de Cheva, 1 de Savone. 7 étaient du Milanais, 1 de Milan, 1 de Pavie, 1 de Novare, 4 d'Alexandrie. Il y a 2 arbalétriers qui viennent de Florence, 2 viennent d'Orte, 1 de Trévise, 1 de Mantoue, 1 de Cuneo, 1 de Messine, 1 de Sardaigne, 1 d'Istrie. Par ailleurs, tout comme dans la compagnie de Paulin Spinard, déjà cité, on relève des anthroponymes renvoyant à une origine ibérique. Diego de Galice, Martin d'Espagne, Pierre de Portugal. Et également un recrutement en Méditerranée orientale, Georges de Constantinople, Michel de Romanie. Enfin, 2 combattants étaient originaires de l'espace germanique, Albert de Prusse et Jean d'Allemagne. L'espace germanique est en effet une autre ère de recrutement de compagnies d'arbalétriers mercenaires. Le fait est attesté lors du siège du château de Velson, place forte située dans le comté de Bourgogne, sur les bords de la Saône, non loin de la ville de Grès. Ce siège, un épisode mineur, mais très connu, grâce à une documentation particulièrement bien conservée, dura de septembre 1409 à janvier 1410. Durant ce temps, les capitaines dirigeant les opérations, et je dois le dire, désespérant de se faire obéir par les gens de commune, s'efforcent de recruter des compagnies d'arbalétriers en pays germanique. Ainsi, en décembre 1409, Jean de Neuchâtel, seigneur de Montaigu, Jacques de Courtiambe, seigneur de Comarin, expédient des lettres au bailli du duc d'Autriche, au comté de Ferrette, et à Maximin de Ribeaupierre, par lesquelles, lettres, il leur escrivait que par leur porteur d'Issel, leur voulzis écrire et faire savoir si l'on pourrait finer est parti d'Allemagne de 100 bons arbalétriers. Ce à quoi le bailli et Maximin répondirent « Quant aux arbalétriers, l'on en y finira de très bons pour servir mon dit seigneur de Bourgogne. » Par ailleurs, au même moment, un écuyer désigné dans les documents comptables comme Horry l'Allemand, Horry c'est Ulrich, Horry l'Allemand est envoyé en décembre 1409, donc, en l'Allemagne, bon, en fait, en Haute-Alsace et dans le pays de Bâle, pour pourchasser et amasser 20 bons arbalétriers.
Il s'acquitta de sa mission et revint sous les murs de Velson avec cette compagnie qu'il avait recrutée lui-même et dont il eut la responsabilité jusqu'à la fin du siège, recevant paiement pour avoir été continuellement avec les 20 arbalétriers qui étaient venus d'Allemagne, pour leur administrer leurs vivres et pour leur ordonner ce que l'on leur commandait, pour ce qu'il n'y en avait point qui sussent parler français, et le dit Horry savait parler français et allemand. Quelques années plus tard, en septembre 1417, lors de l'occupation de la ville de Mâcon par les Bourguignons, les conseillers du duc Jean sans peur qui dirigeaient les opérations engagèrent la compagnie d'un capitaine allemand du nom de Jean de Ringberg, Hans von Ringberg peut-être, pour tenir garnison en Mâconnais. Alors, sur 18 combattants de cette compagnie, 4 étaient des arbalétriers à cheval, et puis il y avait des gens de pied. 7 étaient des arbalétriers de pied et armés, et 7 étaient des compagnons armés, la lance au poing. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir si c'est des gens à cheval ou à pied. Ici, la lance au poing, ce sont des piétons. Les gens de trait à cheval reçurent des gages mensuels de 7 francs 10 sous tournois, et les gens de pied de 5 francs, c'était le tarif ordinaire, ceux-là n'ont pas eu le droit à un traitement de faveur. Il faut dire que le duc de Bourgogne, à ce moment-là, était dans une situation financière un peu difficile. D'après les noms figurant dans le rôle de la montre, alors là c'est assez homogène, cette compagnie est recrutée essentiellement en Alsace, on a Alain de Strasbourg, Hans de Hagenau par exemple, et dans le Brisgau, Nicolas de Fribourg, Frédéric de Luc de Fribourg, Jacques Allemand de Fribourg. Il n'est pas indifférent de souligner qu'au moment de l'engagement de cette compagnie, les relations entre les conseillers bourguignons et Jean de Ringberg ne furent pas absolument cordiales. En effet, le capitaine allemand avait été reçu en tant qu'arbalétrier à cheval. Il en a conçu un grand dépit, parce qu'il voulait être reçu comme homme d'armes, au gage d'un homme d'armes. Alors on dit, vous êtes à cheval, avec un cheval, visiblement, une arbalète, vous êtes arbalétrier. Alors, du coup, il a amputé l'effectif de sa compagnie de deux arbalétriers à cheval. Ah bon, vous voulez pas me compter comme homme d'armes? Alors, je renvoie deux de mes hommes. Bon. Et après 2 mois de service, bon, il est placé en garnison, après 2 mois de service, au début du mois de décembre 1417, il se présente pour une revue devant Philibert de Saint-Légier, conseiller du duc, et là, cette fois, il vient, lui, armé suffisamment, 3e et 3 chevaux. Donc là, il arrive avec la lance à 3 chevaux, n'est-ce pas? Et là, Philibert de Saint-Légier est sommé de le recevoir comme homme d'armes, sinon, dit Jean de Ringberg, moi je m'en vais. Je m'en vais. Alors, Philibert de Saint-Légier, n'est-ce pas, se déclare dans un acte tout à fait intéressant que je publierai la version écrite, suffisamment informé de l'estat et vaillance de la personne de Jean de Ringberg, et il est conscient aussi de la nécessité que l'on a à présent de gendarmes, et donc il accepte de recevoir comme homme d'armes Jean de Ringberg, à qui en plus il donne le titre d'écuyer dans l'acte. Satisfait, le capitaine allemand reste au service de Bourgogne, et on le retrouve en mars 1418 en tant que capitaine et gouverneur des arbalétriers du pays d'Allemagne, à la tête d'une compagnie de 42 arbalétriers à cheval, donc il a renforcé sa compagnie, employée à la garde et sûreté de la ville de Mâcon et du pays d'environ. Voilà, promotion grâce au service, mais ça n'a pas été simple, il a fallu quand même qu'il s'impose. Bon, il a un peu profité des circonstances aussi, il faut être juste. Parallèlement au service de compagnies d'hommes de trait toutes constituées, comme celle de Jean de Ringberg ou celle de Rodrigo de Malin, dont je viens de parler, les documents dont nous disposons, montres d'armes et documents comptables, nous permettent d'étudier le cas d'hommes de guerre servant individuellement ou par petits groupes dans les armées des ducs de Bourgogne. Dans le cadre de cette communication, je n'ai naturellement pas l'ambition de vous donner le résultat d'un dépouillement exhaustif des montres d'armes qui sont conservées aux archives départementales de la Côte d'Or à Dijon. J'en ai pas la force pour le moment. Elle viendra peut-être. Donc, je vais me baser sur une documentation bien individualisée, à savoir une série complète de rôles de montres d'armes établis à l'occasion de la levée par le duc Jean sans peur d'une forte armée au mois d'août et septembre 1417. On conserve les rôles de 32 compagnies qui constituait cette armée. Certaines de ces compagnies étaient conduites par des capitaines originaires des principautés bourguignonnes. Alors on a des bourguignons de Bourgogne, comme dit Enguerrand de Monstrelet, donc des bourguignons de Bourgogne, des artésiens, des flamands, tandis que d'autres compagnies avaient à leur tête des capitaines de gendarmes.
Il est possible d'exploiter les rôles des montres d'armes pour y repérer des hommes de guerre étrangers aux principautés bourguignonnes, dont la présence sous la bannière ducale ne s'explique que par le volontariat et le mercenariat. Pour éclairer l'exploitation limitée que j'ai faite de ces listes, quelques remarques méthodologiques s'imposent. Les montres d'armes conservées font apparaître exclusivement deux catégories de combattants, des hommes d'armes et des gens de trait à cheval, archers ou arbalétriers. Comme c'est l'usage, en premier lieu sont énumérés les hommes d'armes par ordre hiérarchique, d'abord les chevaliers bannerets, ensuite les écuyers bannerets, les chevaliers bacheliers et les écuyers. Puis, en second lieu, vient la liste des gens de trait. Les effectifs s'élèvent à environ 10 380 combattants, dont 6 070 hommes d'armes, soit 58,5%, et 4 310 hommes de trait, 41,5%. Mon étude est centrée sur les simples hommes d'armes, donc j'ai exclu les chevaliers bannerets, les chevaliers bacheliers et les écuyers bannerets. Je vous ai dit, je m'occupe de la piétaille. Et puis, sur les gens de trait, donc les simples hommes d'armes et les gens de trait. Les rôles de montre offrent la liste de plus de 10 300 individus, et ça permet donc une enquête anthroponymique de grande ampleur. Pour l'heure, toutefois, mon ambition est extrêmement limitée, et j'ai essentiellement isolé les anthroponymes renvoyant clairement à une origine géographique. L'allemand, l'anglais, le lombard, l'espagnol, Hans de Cologne, Jean de Milan, etc. Tant pour le groupe des hommes d'armes que pour celui des archers et arbalétriers. Alors, je ne résiste quand même pas au plaisir de vous dire que le travail a permis d'isoler quelques individualités. Ainsi, cet homme d'armes appelé simplement le capitaine des mauvais, un nom qui semble indiquer un professionnel de la guerre ayant une réputation exécrable. Ou ces gens de trait appelés un le turc, l'autre le hongre, sans que l'on puisse vraiment affirmer de manière péremptoire que de tels sobriquets renvoient à une véritable origine géographique, à la différence de l'arbalétrier appelé le chanoine d'Utrecht, que l'on peut sans trop de doute identifier comme venant des Pays-Bas. En revanche, je n'ai pas pris en compte des anthroponymes comme Wilkin Lanzmann ou Jenkin Emmengart, qui certes trahissent une origine germanique, mais sans qu'il soit vraiment possible de donner plus de précisions. J'ai en revanche pris en compte quelques noms explicitement ibériques comme Rodriguez Alphonse, hein, par exemple, parce que là je pense qu'on a peu de chances de se tromper en disant qu'il vient de la péninsule ibérique. Les noms renvoyant explicitement à une origine géographique sont très minoritaires dans notre corpus, puisqu'ils représentent 2% des noms portés par des hommes d'armes et 3% des noms portés par des hommes de trait. Mais ils sont toutefois portés par près de 240 individus, ce qui est un effectif significatif à partir duquel on peut quand même un petit peu travailler. Ces personnages se retrouvent dans la majeure partie des compagnies reçues à Montre, et rares sont les compagnies qui n'en comptent pas du tout. Cependant, dans certaines compagnies, il y a une plus forte densité de ces noms que dans d'autres. J'ai retenu Charles de Lens, donc un seigneur d'Artois, Charles Labbé, un capitaine breton, Castelin Vasque, mon italien préféré, Clavin Duclos, un savoyard, mais Jean de Toulonjon, un grand seigneur de Bourgogne, Jean de Fosseux, grand seigneur d'Artois. Donc vous voyez, en fait, ces compagnies, on trouve ces anthroponymes sont à la fois des compagnies menées par des capitaines de gendarmes et aussi des compagnies menées par des seigneurs des principautés de Bourgogne. Ces remarques étant formulées, intéressons-nous maintenant à ce que nous apprend l'étude des origines géographiques des 240 gens de guerre sélectionnés. Les résultats de l'enquête font apparaître en premier lieu quelques isolés. Alors, à tout seigneur, tout honneur, la Gascogne et le Bordelais sont très faiblement représentés, puisque je ne trouve parmi les hommes d'armes qu'un Jean de Gascogne et un Guillaume de Bordeaux, et seulement un Jean le Gascon parmi les gens de trait. Bon, il est vrai que l'armée du duc de Bourgogne, réunie autour de Beauvais avant de marcher sur Paris, ne pouvait guère compter sur la participation massive de mercenaires gascons. De la même façon, la vallée du Rhône n'apparaît pas comme une aire de recrutement pour les capitaines bourguignons, et c'est à peine si l'on relève le nom d'un Villemot d'Orange parmi les hommes de trait. Les Bretons ne sont pas beaucoup mieux représentés. Ça, c'était une de mes grandes surprises. J'ai trouvé un homme d'armes, oui, les hommes d'armes, il y a un Guillaume le Breton et un Thomas le Breton, ce dernier dans la compagnie du capitaine breton Charles Labbé, quatre archers bretons, servant d'ailleurs dans quatre compagnies différentes, Charles de Lens, Charles Labbé, Robert de Mailly et Jean de Fosseux, donc rien de très significatif, mais il est vrai que le recrutement des Bretons après 1413, 1414 est relativement faible, y compris à la cour de Bourgogne.
Mis à part ces isolés, on trouve des contingents plus importants venus de la péninsule ibérique. Parmi les hommes d'armes, on relève les noms de Pietre l'Espagnol, deux personnages portent ce nom, Gosine l'Espagnol, Olivier l'Espagnol, Vicente d'Espagne, Alphonse de Séville, Moingi de Séville, Alphonse de Valladolid, à quoi s'ajoutent Jean de Navarre et Jean le Navarrais. Et des personnages nommés Ferrand, Sanche, Rodriguez Alphonse et Guergo Val ou Valls, je ne sais pas, de toute évidence, castillan, portugais ou aragonais. La moisson est moins abondante pour les hommes de trait, puisque l'on ne trouve parmi les arbalétriers et archers que trois individus, Soyez l'Espagnol, Vasque l'Espagnol et Pierre d'Espagne. Ainsi, la péninsule ibérique a l'air de fournir plus d'hommes d'armes que d'hommes de trait, mais enfin bon, évidemment, vu la faiblesse des contingents, on ne peut pas véritablement ici tirer de grandes conclusions. Les îles britanniques sont également bien représentées, et l'on n'est pas étonné de constater la relative importance du contingent des Écossais, en rappelant pour mémoire que les ducs Philippe le Hardi, et surtout Jean sans peur, ont recruté très tôt des gens de guerre en Écosse. On ne trouve pas moins de 7 hommes d'armes et 11 archers qui sont dits Escossois, Esco ou d'Escosse. Un Richard le Gallois figure parmi les hommes d'armes et 4 archers, Aquinet le Gallois, Jean de Galles, Angelin de Galles et le Petit Gallois, se retrouvent parmi les hommes de trait. Des Anglais servent également dans l'armée du duc de Bourgogne. Dans le rôle de la montre des lions de Jacqueville, on trouve un Jean Langlois et un Pierre Langlois parmi les hommes d'armes de la compagnie du souverain bailli de Flandre. Et on trouve 14 archers anglais répartis dans 6 compagnies, mais dont 9 servent dans une seule compagnie, celle de Jean de Fosseux. Alors Jean de Fosseux était gouverneur du comté d'Artois, il est possible que la proximité de Calais lui ait permis de mieux recruter des mercenaires venus d'Angleterre. L'Italie fournit quant à elle un contingent important. 28 hommes d'armes et 47 hommes de trait sont explicitement désignés comme recrutés dans la péninsule italienne. La désignation de ces Italiens n'est pas la même pour les hommes d'armes et pour les gens de trait. Sur 28 hommes d'armes, 20 sont identifiés simplement comme des Lombards. Un est sicilien, on le dit même le Sicilien de Sicile, afin que nul n'en ignore. Et un est de Calabre. 6 seulement sont désignés par une origine urbaine. Pierre de Vérone, Pierre de Mantoue, le Génois de Cesio, Gaspard de Milan, deux hommes d'armes portent ce nom, Jacquemet d'Alexandrie. En revanche, les gens de trait, probablement des arbalétriers, portent pour la plupart un nom renvoyant à une origine précise. Car si on trouve 3 Lombards, les autres sont désignés comme originaires de Novare, 7 mentions, de Pavie, 7 mentions, Crémone, 5 mentions, Vérone, 4 mentions, Gênes, 2 mentions, Alexandrie, 2 mentions, Trente, 2 mentions, Modène, Lodi, Orté, Rome, Versailles, Trieste, Plaisance, Bellinzona, 1 mention pour chacune de ces villes. Cet toponyme indique un recrutement surtout centré sur le nord de la péninsule, même s'il y a quelques Romains perdus. L'espace transalpin est représenté par des gens de trait du Piémont, on relève les noms de Jacques et Matté de Turin, et par des combattants originaires de Savoie. Alors, la présence dans l'armée bourguignonne, réunie en 1417, des capitaines savoisiens, Guigues, seigneur de Salnove, Jean de Gingin, Clavin et Jean Duclos, se traduit notamment par le fait que des représentants de la noblesse savoisienne, en particulier un certain nombre de bâtards de nobles, figurent dans leur compagnie ou sous l'étendard d'autres capitaines. Mais par ailleurs, des combattants désignés comme de Savoie sont également présents dans cette armée. Si l'on ne trouve qu'un seul homme d'armes, qui s'appelle Antoine de Savoie, qui sert dans la compagnie du capitaine italien Castelin Vasque, on relève les noms de 8 hommes de trait répartis dans plusieurs compagnies. Toutefois, 2 d'entre eux sont reçus dans la compagnie du seigneur de Salnove, c'est-à-dire une compagnie savoyarde. Dans cette compagnie, parmi les hommes d'armes, on relève aussi un Jean de Genève et 3 Lucernois, Jean de Lucerne, Lucernon de Lucerne et Wispard de Lucerne. Et ces 3 combattants sont les seuls que l'on puisse identifier comme provenant du territoire de la Confédération suisse. Les principautés de ce que j'appellerais par commodité les Pays-Bas sont également bien représentées parmi les aires de recrutement de combattants mercenaires. Du comté de Hollande, 2 hommes d'armes, Liénard de Breda et Copin de Hollande, et 4 hommes de trait, Jeannin de Hollande, Jenquin de Hollande, Henquin de Hollande, Thierry le Hollandais, auquel on peut adjoindre le fameux chanoine d'Utrecht, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du duché de Brabant, outre un homme d'armes du nom de Thomasin de Louvain, on trouve 8 hommes de trait qui sont dits soit de Brabant, soit de Bruxelles.
On peut réparer également parmi les archers et les arbalétriers, si ennuyés, qui sont dits soit de Hainaut, soit de Mons. On trouve également un Namurois. Et par ailleurs, n'est-ce pas, la principauté de Liège, là aussi, encore une surprise, après ce que les Bourguignons ont fait subir aux Liégeois, ben, tous les Liégeois ne sont pas des Hédrois, n'est-ce pas, cher Christophe? La principauté de Liège est également représentée, puisqu'on trouve trois hommes d'armes qui en sont originaires, Renaud le Liégeois, Louis le Liégeois et simplement le Liégeois. Et cinq hommes de trait, dont quatre, sont simplement désignés aussi comme le Liégeois. C'est le Liégeois de la compagnie, donc on le présente comme ça. Enfin, le dernier secteur qui est aussi le plus largement représenté est celui qui est constitué par la Lorraine et l'espace germanique, dont sont originaires 105 individus, soit près de 44% du total des personnages étudiés. Les Lorrains, qui fournissent peu d'hommes de trait, ils ne sont que 4 désignés comme Lorrains ou de Lorraine, sont plus nombreux parmi les hommes d'armes, puisqu'on en dénombre 12. 13 en comptant un nommé Tassin de Nancy. Parmi eux, une mention spéciale doit être faite de celui qui est désigné comme le Lorrain dit bout de feu, ce qui en dit long sur ses compétences professionnelles. Les combattants désignés comme Allemands ou d'Allemagne sont 30 parmi les hommes d'armes et 40 parmi les arbalétriers et archers. À ce groupe, on peut ajouter des combattants désignés comme de Cologne, 2 hommes d'armes et 4 hommes de trait, de Fribourg, 2 hommes d'armes, 2 hommes de trait, de Constance, 4 hommes de trait, de Strasbourg, 3 hommes de trait, de Clèves et d'Urin, 2 hommes de trait. Enfin, j'adjoins à cet ensemble des hommes venus du royaume de Bohême, le Béhaignon, Honeste de Béhaigne, parmi les hommes d'armes, Hennequin le Béhaignon et Besançon de Béhaigne, parmi les hommes de trait. Donc, ça rappelle cette présence tchèque, ou bohémienne, si vous voulez, à la cour de Bourgogne et dans les armées des ducs de Bourgogne, un phénomène sur lequel j'ai eu l'occasion d'intervenir. Bien. Alors, cette étude, et je vais conclure très brièvement, cette étude permet à mon sens de saisir une certaine réalité du mercenariat tel qu'il a pu se développer dans les armées bourguignonnes du début du XVe siècle, en montrant qu'à côté des compagnies d'arbalétriers bien structurées, clairement identifiées, à côté de ces capitaines de gendarmes qui conduisaient des compagnies très composites, eh bien, il y avait un flux de gens de guerre, simples hommes d'armes, simples hommes de trait, qui venaient grossir les rangs des armées ducales. L'exemple de 1417 nous offre par ailleurs une image du recrutement géographique de ces mercenaires qui couvrent les Pays-Bas pré-bourguignons, Hollande, Brabant, Hainaut, Principauté de Liège, l'espace germanique, probablement surtout sa frange occidentale, le duché de Lorraine, le duché de Savoie, l'Italie du Nord, la péninsule ibérique, principalement la Castille, l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles. Cette géographie du recrutement recouvrant assez largement une géographie des alliances diplomatiques. Je vous remercie de votre attention.